Il y a des jours comme ça où le temps poursuit sa course et irrémédiablement, ce temps nous emmène vers l'avenir en laissant derrière nous le passé. Vous regardez le Grand Talk et nous sommes chez vous. Bonsoir. Ça change. Ouais. Oh, les amis. Merci. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Louis. Bonne année Isabelle. Bonne année. Je commence bonne par année vous avec tous. Votre bonsoir. Magnifique sourire. Isabelle, oh là là Isabelle, je reviens à vous. Hein. Bougez pas. Je reviens à vous. Bougez J'ai pas. Peur. Vous bougez pas Isabelle, je reviens à vous tout à l'heure. Bon, bonsoir Daouda, comment allez-vous? Bonsoir Brice, comment vous allez bien Daouda? Je vais bien, ouais. Super, super. Alors, qu'est-ce qui fait que vous frottez les mains? Daouda, vous avez fait quelque chose en particulier aujourd'hui? Je suis un peu fatigué parce que le matin, depuis 5h30, j'étais à la piscine. Depuis 5h30? Ouais. La précision est de taille. Hein, ouais. Oui, 5h30, je suis allé nager jusqu'à, disons, quoi, 7h. Qu'est-ce qui justifie que vous alliez tôt à la piscine? Parce qu'après après le sport, je vais, je vais au travail. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est ce qui a fait que je vais tôt. Parce que soir, je dois être ici. Pour... Et quand vous finissez, il est 22h, vous n'avez pas le temps d'aller nager très tard. Voilà. Voilà, quoique ce soit une pomme. Voilà. Alors, justement, Daouda, je sais qu'on a une petite question. Vous nagez... Non, ça va, je vais garder la question. Je vais garder la question. On va chercher les images, ça sera plus simple. Non, là, actuellement, je suis à la brasse. Je fais la brasse. Non, non, mais c'est surtout... vous êtes en combinaison de... Non, non, je... Par contre, je n'utilise pas de planche. Mais j'utilise un baya. Oui, oui. C'est quoi? Voilà. Bon, à la piscine, on appelle ça le baya. C'est-à-dire que c'est les ceintures qu'on met sur le dos. Ah, les ceintures, c'est avec les... Voilà, les ceintures de sécurité au rein pour pouvoir avancer. Ça doit être trop mignon. Ouais. Ah bon? Oui, j'apprends. Ah, vous apprenez, justement, parce que je n'ai pas vu de nageurs professionnels. Voilà, non. J'apprends à nager au, qu'on appelle ça, au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Très bien, on ira vous que voir. Que je salue, d'ailleurs. Mon coach Dieu donné que je salue. Très bien. Et l'adjudant-chef. Mais je crois qu'il demandait comment tu t'habilles pour nager, en fait. Ben, c'est en coulant. En coulant. Oui. Très bien. C'est en coulant, simplement. Très bien. On aura les images, je vous promets. Non, c'est sûr que tu n'auras pas d'image. Je me donnerai un mal de pour aller chercher à vous voir à 5h30. Mais bravo, bravo pour l'initiative. C'est très important, c'est très bien la natation. Oui, franchement, c'est vrai. C'est très, très bien la natation. Moi j'ai lu, parce que moi, j'ai lu les vertus de la natation. Bon pour la respiration. Le cardio. Le cardio, ouais. C'est bon pour les muscles. C'est un sport complet, Complet. Voilà. Et même pour les couples, dans les thérapies de couple, on leur propose souvent la natation. Ah bon? Je promets. Mais tu sais, de base, moi, je me suis mis à la natation. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous partez, par exemple, à Bassam ou à Sini, ben, tu as le pied dans l'eau, tu fais tout. Non, j'ai pas envie de nager, c'est parce que c'est pas nager. Ouais. J'ai pas envie d'avoir ce réflexe. Oui, et puis il y a toujours quelqu'un qui montre que lui sait trop bien nager, c'est lui qui fait nager. Il m'énerve les gens comme ça en général. Bonsoir Rihanna, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien et toi? Ça va très très et bien. Et toi tu nages? Oui. Souvent? Souvent, je fais ce qu'on appelle les bulles. Non, en fait, là où l'eau sort, là, toi, tu t'adosses la maison avec le coucou. Ça fait un massage. C'est merveilleux, merveilleux. Parce que j'ai pas envie de faire les Jeux Olympiques, donc je me. Ça fait un peu esprit jacuzzi. Exactement, vous avez tout compris. Donc, comme j'aime. Rassure-toi, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ouais. Ah, merci beaucoup, ça me rassure. Merci. Je me croyais. Très bien. Isabelle, vous nagez hein? Ça dépend. De ce qu'on appelle nager. Ah bon? Je fais la grenouille avec la planche. Sans planche, je ne peux pas nager. La grenouille avec la planche. Oui, mais si Daouda a fait le truc avec le baya, vous avez bien le droit de faire la grenouille. Franchement, il faut qu'on se fasse une sortie piscine hein, sur le Grand Talk. Ouais, c'est drôle. Voilà. Donc, je ne vous promets pas, mais vous aurez les images de la grande sortie piscine du Grand Talk. Parce que parmi nous, il y a un grand nageur. Son nom, c'est Petit Poisson. Et qui nage rarement en eau trouble. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir vous nagez, vous nagez bien, merci, merci. Vous savez faut, entre grands penseurs, c'est vous ça. Nagez bien. Moi, je suis le philosophe Alain et vous êtes Socrate. Socrate. Oh, au football, c'est Socrates. Oui, c'est ça. Vous nagez bien, Alain? Ça va, je me débrouille. Très bien. Ouais. En baya ou en colombe? Non, en juste le Bermuda d'usage. D'accord, ok. Parce que, franchement, quand vous avez dit baya, on a tous une image du baya. Non, mais en fait, à la piscine du GSPM, entre apprenants, on se moque. Ah, toi, tu portes encore le baya. Oui. Donc, du coup, on se bat dans une compétition saine pour pouvoir enlever. Après, il y a le brassard.
Et, mais je ne sais pas comment ils ça ont appelé. Enfants, tu vas pas mettre les enfants. Ça, les enfants. Mais et le, la, comment ça s'appelle? Il y a un truc que je n'arrive pas à utiliser. Le gilet. Non, ce n'est même pas le gilet. C'est la bouée. La bouée. Mais c'est comme on rentre dans la bouée. Bon, moi, la bouée, évidemment. Arrêtez, arrêtez. C'est pas drôle. Non, bon. Le brassard, c'est pour les enfants. Voilà. Et la bouée, c'est pour. Mais tu non. sais, tu as fait ce mouvement-là. Personne ne rentre par en haut comme ça, comme un vêtement. Hein. Ah oui. Personne ne fait ça. Ah oui. Mais non, c'est par, ah, les, non, mais... c'est par les jambes. Ah non, ça va pas plus bien. Mieux vaut pas le haut. Parce que pas les jambes, ça va s'arrêter en baïa. Justement, ça fait une danseuse tutu. Mais c'est très bon. Bien. C'est j'espère bon. Que vous allez bien chez vous à la maison et que vous nagez, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet de notre introduction. La natation, donc c'est un sport qu'on vous conseille. Et puis, il y a de plus en plus d'endroits comme ça où on apprend à nager. Donc, Daouda nous a conseillé le GSPM. Normal, en plus, là-bas, vous êtes bien encadré, vous êtes en sécurité. Oui, ouais, parce sûr. Que... Sinon, on peut aller au BBR. Hein. Au BBR aussi, on apprend à nager là-bas. Ouais. Très bien, très bien. Merci Alain, merci. Si on survit à l'épreuve. Je crois qu'Alain va traversée. Avoir une promotion. Hein. Il est fort en placement de produit, t'as vu. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. C'est ça. Il va être invité au BBR. C'est le cas ouais. de le dire. Voilà, on peut aller en même temps, oui, on sollicite en fait l'invitation. Hein, Brice, vous négociez ça. Il y a pour pas la problème. Sortie piscine, connais, justement, Brice. Voilà. Oui, je connais du monde bien placé. Et je peux vous assurer que ça, c'est rien. C'est rien. Rien. Et je vous aurai les images, les spectateurs sont en train de nous écrire, vous dites, on a hâte de voir les images, et je suis convaincu que ce n'est pas pour nous. Oui, bien sûr, il ne faut voilà. pas se faire d'illusions. Je ne hein. me fais pas d'illusions, merci Alain. Et il n'y aura pas que nous, hein. Il y aura d'autres personnes qui ne sont pas sur son plateau également, qui seront de la fête. Oh. Élisée. Élisée, il sera... Lui, Élisée, c'est le seul gars qui a son maillot en veste. Donc, il a dit, il a un maillot de bain en veste. Perdu, hein. Le maillot est là et puis il y a des ouvertures de veste. Je pense que c'est le truc. Bon, allez, les amis, on va avancer avec notre fait du jour. Mais avant, j'ai une petite musique quand même pour vous. Parce que quand même, c'est en 2023. On a une petite musique quand même pour vous. Pourquoi ? Parce que depuis, les garçons sont dans une forme, évidemment, au-delà de l'engagement politique. Ils sont également engagés dans le social, dans l'écologique. Donc, on voulait leur faire un petit coucou. On les a vus sur les, au niveau de la... rappelez-moi comment ça s'appelle. L'orpaillage, les sites oui, d'orpaillage. Voilà, on les a vus là-bas également. Donc, Yodé, Assiro et... Allez, c'est votre petit coucou. J'ai rencontré Vétio Lelas tout à l'heure en arrivant à la télé. Il m'a dit, mais vous me recevez quand? Je lui ai dit, Vétio Lelas, on te recevra. Il m'a dit, il m'a promis qu'il viendrait en veste. C'est un chanteur? Oui, Vétio Lelas. Vétio Lelas. Ah, d'accord. Je vous ferai écouter les chansons de Vétio Lelas. Mais en tout cas, je vous posais bien la question, hein, pour ceux qui ne savent pas qui est Vétio Lelas. Il fait partie d'un des artistes les plus prolixes. Hein, il a accompagné un bon nombre d'artistes, requins de studio, il a des productions. Il est très particulier quand même comme garçon, mais très talentueux. Très talentueux. Donc le coucou, il est pour Vétio Lelas. Les amis, on va évoluer, hein, donc avec le fait du jour numéro 1. Eh bien, celui-là concerne donc un individu et qui se faisait passer pour... Après le faux général, eh bien, il y a un faux commissaire. Et lui, il a décidé d'aller sévir à Dallois, non pas pour se faire de l'argent, mais pour séduire ses conquêtes. Non, c'est bien, c'est bien. Déjà, on observe que l'armée fascine, hein, enfin, tout ce qui est force de l'ordre, FDS, oui, faux militaires, faux policiers, faux gendarmes. Bon, en plus, là, pour une opération de séduction, bon... Mais il ne faut jamais usurper des titres ni des fonctions. Mais imaginez pour se défendre, c'est qu'il nous dit, je courtisais la copine d'un gendarme, ce dernier est sergent. Donc pour pouvoir le raser, c'est-à-dire, bon j'explique pour ceux qui ne comprennent pas le terme, pour lui ravir sa copine, je me suis fait confectionner d'abord les habits
et les faux galons de commissaire de police. Pour avoir donc un grade supérieur à ceux de mon rival. Ouais. Cette tenue m'a permis d'avoir beaucoup d'amis, surtout. Mais en fait, le truc, c'est surtout la chute, en fait. À la base, il cherchait juste une compagne. Oui. Mais finalement, il a eu plein d'amis, quoi. C'est... Oui, mais il t'explique qu'il y a plein d'avantages, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais il a réfléchi à la stratégie. Hein. Le gars, il est 16 ans, il dit, bon, d'accord, moi, j'arrive en commissaire. La femme va se dire, ouais. Est-ce que ça fonctionnait, la jeune dame? Mais l'histoire ne nous dit pas, justement, si la jeune dame a succombé au charme du commissaire. C'est ça. Mais si, de là où il est. Il y a eu une victime, hein. Il y a eu une victime... Qui s'est laissée avoir. Oui, qui s'est faite avoir. Mm-hmm. Mademoiselle Martine, si oui. Je ne me trompe pas. Oui, de ce que j'ai lu, en tout cas. Mm-hmm. Bon, voilà. Actuellement, celui qui rigole vraiment à gauche déployant en ce moment, c'est le gendarme. Bah oui, parce et si jamais on avait réussi à lui ravir sa compagne, il allait bien lui dire ah. Après, on rigole, mais je pense qu'il faut prendre au sérieux quand même certains titres de nos autorités. Bon, se déguiser en commissaire ou en sergent, une fois en passant pour Mardi Gras, ça se comprend. Mais après, pour sortir la nuit, aller chercher des femmes, se faire des amis, parce qu'on dirait que quand on lit l'histoire, ça devient pour lui une habitude, en fait. Il commence à avoir l'habitude de mettre cette tenue-là. Et c'est dangereux parce que, bon, on peut tomber... je veux dire, normalement, nous, quand on voit des commissaires ou des sergents, etc., on est censé avoir du respect pour eux. Si les gens commencent à se déguiser, on n'aura plus... On ne sait plus qui est qui, en fait, dans la ville. Mais on parle de ce cas-là. Ah, mais il faut avoir des isolé. Limites. Lui, dans son cas, c'était pour cotiser. Mais il y a eu deux qu'on a chopé oui, récemment. La semaine dernière, qui, eux, faisaient de la circulation. un sans-emploi et un élève de terminale. Donc, eux qui arrêtaient les véhicules, qui faisaient des contrôles. Mais est-ce qu'ils soutiraient de l'argent aux chauffeurs ou... Non. Mais je ne crois pas que ce soit juste pour la beauté du geste. Ouais, ouais. On est juste en train de faire la circulation parce qu'on aime trop la police, on aime trop faire la circulation. Mais il peut arriver parfois que des personnes comme ça se mettent dans des tenues qui ne sont pas leurs tenues. Comme ça, je crois qu'il y a une forme de fantasme aussi. Alors, Daouda, je me tourne vers vous justement à ce niveau-là. Ça permet, parce que c'était ça, hein, c'est pas ça qu'on devait terminer. Comment aujourd'hui on arrive à identifier, authentifier aujourd'hui un agent des forces de l'ordre? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, ces tenues-là, j'ai envie de dire, tout le monde les confectionne, des trios aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, tout le monde les confectionne et c'est ahurissant. Je ne sais pas si vous avez remarqué à un certain moment, les policiers ont changé de tenue plusieurs fois en pratiquement un an ou deux ans. Ils ont changé de tenue à plusieurs reprises. Parce qu'en même temps, quand eux, ils avaient une tenue, la police municipale de certaines communes avait pratiquement la même tenue. Donc, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, de plus en plus, les policiers changent de tenue. Mais en gros, pour les reconnaître, vous allez voir que généralement, il a son galon, mais en plus d'avoir le galon, il y a, je ne sais pas comment on appelle le truc, on l'accroche... Une forme de badge. Voilà, une forme de pins qui est assez là, qui fait qu'on les reconnaît distinctement. En fait. C'est quoi, c'est rouge? C'est métallique. Okay. C'est métallique. Mais généralement, comme les policiers eux-mêmes, généralement, aiment enlever, donc du coup, les gens se sont habitués à reconnaître des policiers seulement que, voilà, vous voyez le pins qui est en plein écran là, voilà. Donc du coup, on ne les reconnaît pas ça. Mais c'est le lieu, en fait, d'attirer l'attention de nos autorités pour dire qu'il faut qu'on puisse avoir aujourd'hui des tenues qui marchent, que personne ne peut copier, en fait. Parce que je vois un tissu bleu, hein, l'époque des bris, ça, avec le bleu blanc avec la cravate. Bon, ça, c'est un bleu ciel, bleu nu. Je pense que tout le monde peut avoir ça au marché Caroline d'Adjamé, quoi, en fait. Voilà. Donc, du coup, il faut qu'on redouble d'efforts pour ne pas que les gens se fassent gruger. Parce que l'étudiant, les deux sans-emploi et l'élève de terminale, je ne pense pas qu'ils étaient là pour juste la beauté, comme je le disais, mais c'était pour mettre le grappin sur des chauffeurs de taxi ignorants pour leur prendre de l'argent. Dieu merci, il y a quelqu'un qui savait, qui a pu donner le signalement, ils ont été pris. Ce serait bien quand même qu'on éduque justement sur la question de l'authentification des autorités. Ça peut être même par une publication où on certifie bien, voici les éléments qui montrent vraiment que ces personnes sont du corps en fait armé. C'est simple, parce que pour avoir travaillé en agence, c'est simple. Les petits pins et les petits galons, ça se refait très vite avec des maisons d'impression. Il y a des gens qui font venir des pins, qui font imprimer et graver ce qu'ils veulent dessus et tout. Donc malheureusement, on ne peut pas juste se fier sur ça. Il faut vraiment qu'on ait une vraie éducation à l'authentification de ces... L'idée même, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'automobilisme usager de la route, souvent, quand vous êtes, comment on appelle ça, contrôlé par un policier, je pense que vous avez le droit de demander qu'il atteste de son identité, en fait, avec son...
comment on appelle ça, son badge. Son badge en fait. On voit ça dans les films. Hein. Au-delà des films, même, tu peux demander, parce que moi, je le disais la dernière fois, même si Brice se moquait de moi, je rentrais à 2h du matin, je me fais arrêter, le monsieur n'avait rien. Je lui ai dit, atteste, je vais savoir, pour que je sache au moins, parce que l'idée, je vais garder son numéro matricule dans la tête. C'est pas long, c'est peut-être, en tout cas, c'est 4 chiffres, comme le code de la carte de crédit. Donc, il a refusé de me donner. Il m'a dit, il faut partir. Parce qu'il sait que s'il doit me contrôler, il doit me donner son je papier. Promets que ça devait être le sans-emploi. Non, mais eux, par contre, ils avaient leur grande voiture où on met tout le monde là. Le cargo, assis, le cargo, là. Voilà, la voiture était là. Voilà. Bon, OK. En tout cas, c'est ça aussi. Hein. Faut garder vos éléments pour qu'on puisse vous identifier. On a tous vu dans les films le gars qui présentait toujours sa carte. Mmh. Voilà, et tout ça. Donc, du coup. Ça fait un petit style hein, aussi. Un petit style, bon. Non, mais bon. C'est dommage pour le faux commissaire parce qu'il écope quand même de 12 mois ferme et de 100 000 francs d'amende. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Mais 12 mois ferme, je pense que c'est petit, même. Parce que en fait, au-delà de ce qu'il a fait là, c'est une forme d'outrage. L'usurpation d'identité. C'est une usurpation, c'est pas bien. C'est pas bien. 12 mois, j'estime que le tribunal même a été clément à son endroit, sincèrement. Voilà. Moi, j'ai tenté de me faire passer pour André Bois, mais bon. Ça n'a pas marché. Non. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Ça n'a pas duré. Le superfuge a été découvert très rapidement. Je crois que la clémence du tribunal, ça justifie aussi pour le fait que lui l'avait. C'est abouti. Le juge m'a dit. Il n'y avait pas d'argent. C'est abouti, femme, quand même. Ouais. Mais c'est surtout à la défense, il fallait voir le gendarme qui t'a dit fais-moi. Ne le laissez pas. On ne sait pas s'il y a eu là-bas des dommages, mais le gendarme n'était pas content. J'ai essayé de me faire passer pour Alain Toussaint à Yom Sokro. Ça a bien marché. J'ai eu droit à la chambre en plus. La chambre était pour Alain Toussaint. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu... Oui, c'est si, si, déjà si. Ça a bien marché. Ça, ouais. Ça a bien marché. Ah, c'est sérieux? Oui, je promets. Conseil des ministres, les amis. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui, donc il y a eu des adoptions. Adoption de décret, donc, et c'est une autre bonne nouvelle quand même. Une autre bonne nouvelle, eh bien, ce sont les conditions de paiement des bourses des élèves et étudiants qui sont désormais connues, Naouda. Oui, c'est à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 4, le Conseil a adopté, comment on appelle ça, un décret qui va désormais, les étudiants qui sont inscrits à l'université, en fait, ils vont recevoir, et les lycées aussi, leurs bourses, ils vont les recevoir par Orange Money ou bien via leur. J'ai dit Orange Money. Par un compte de. Par un paiement de mobile money et par virement bancaire. Et c'est aussi valable pour les étudiants boursiers qui sont à l'étranger. Je pense que c'est une très bonne initiative. Vraiment, pour nous qui avons été boursiers, on a souffert à un moment donné. Qu'est-ce qui justifie que le Conseil des ministres se penche sur cette question-là? Est-ce qu'il y a eu des situations où des personnes s'étaient plaintes de n'avoir pas reçu leur bourse? Bon, je pense que selon moi, il y a deux problématiques en fait auxquelles ce décret va venir répondre en fait. Pour moi qui a été boursier, je pense qu'en son temps, quand on partait au trésor pour aller récupérer nos bourses, vraiment il y avait des coupeurs de route. Quand vous dites des coupeurs de route? Oui, il y a des gens qui t'ont arrêté en milieu de route, tu prends ta bourse, ils vont prendre 5 000, 10 000 sur ta bourse. Quand on sait déjà que c'est pas facile, quelqu'un va venir s'arrêter en milieu de route pour te couper le chemin, pour te prendre 5 000, 10 000 sur ta bouche. Ils vous estorquaient ça, ils vous braquaient, c'était quoi? C'est pas un braquage, mais en gros, disons les choses clairement, c'est la fessie. Voilà. La fessie vient, elle estime qu'elle a lutté pendant des années pour vous, pour que vous puissiez avoir vos bourses. Donc quand vous avez vos bourses, elles estiment. C'est un peu comme le truc des syndicats. Je ne suis pas sûr que ce soit la fessie officielle, que ce ne soit pas une décision de la fessie, c'est quelques éléments aussi quand même. Non. C'est vraiment. Je veux dire, c'est assez structuré. Non. Maintenant, au-delà de ça, je veux dire que par ce décret-là aussi, est-ce que ce n'est pas une façon pour l'État de Côte d'Ivoire de faire en sorte que le taux de bancarisation augmente pour que les jeunes puissent aller ouvrir des comptes bancaires? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation est très faible, en fait. Je pense que ça doit être sûrement ça. En plus de ce que Daoud a dit, la problématique au niveau des bourses, c'est vraiment le fait qu'une fois qu'on est boursier, l'argent tombait quasiment un an après. Alors que l'élève avait déjà commencé à aller à l'école. Alors que là, avec ce décret-là, dès la rentrée, il a la totalité, en tout cas, de sa bourse dont il a droit pour toute l'année scolaire. Et c'est ce qui est vraiment à saluer dans cette décision. Justement, pour appuyer les propos de Isabelle, je crois qu'on avait reçu un invité la dernière fois sur le Grand Talk qui nous parlait justement de la collaboration entre le paiement des frais, des frais académiques des étudiants faits par l'État. Et lorsque les étudiants venaient dans les universités,
Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. On avait reçu, je ne sais plus comment il s'appelle, vous savez, qui était de la délégation des universités en Côte d'Ivoire, et qui nous expliquait en fait qu'il y avait un système selon lequel parfois l'État payait, et puis on trouvait des universités qui demandaient encore de l'argent aux étudiants en fait pour le paiement de ces frais-là. Donc en fait, c'est pour éviter ce type de magouille finalement qu'on a ce système où l'enfant reçoit directement ses frais de scolarité et va directement les payer à l'école, et ça évite les doubles paiements. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt pour la bourse. La bourse, en fait, pour les universités. C'était pas la même chose. D'accord, là, c'est plutôt pour les bourses. Autant pour moi. Les bourses, là, c'est pour les universités, ça sera par trimestre, mais pour les lycées, collèges, ça sera en début d'année. En même temps, pour eux, c'est pas beaucoup. Hein. C'est 12 000 francs par mois. Donc, pour l'année, ça fait 35 000. Pour les universités, je pense que en notre temps, je ne sais pas si ça a changé. 12 000 francs par mois pour l'année. Non, 12 000 francs par trimestre. Voilà. Désolé, 12 000 francs par trimestre. Donc, pour l'année, ça fait 36 000. Maintenant, pour les universités, je dis bien, en notre temps, c'était 36 000. Donc, 36 000 fois 3, on est autour de quoi? 72 Bon, dites-moi. Il faut laisser. 108 000. Là. 108 000, voilà. Merci, Alain. On comprend pourquoi on vous enlevait l'argent toujours. Non, les maths, ce n'était pas trop fort. Mais j'avoue que, pour moi, en tout cas, oui, c'est vraiment... Oui, mais moi, je suis surpris, Daouda, que vous évoquiez les montants. C'est bien qu'on en parle. Mais depuis que moi, j'étais en 6e, je pense, dans les années, je ne sais pas, en 90, là, c'était toujours 12 000. Ouais. Et ça n'a pas évolué. Ça n'a pas été revalorisé. Non, ça a toujours 12 000, 36 000. Oui, bah. Eh bien, dis donc. Et nous, pourquoi il a posé la question, ça peut-être que c'est. On à l'économa pour recevoir nos bourses. D'ailleurs, les économes. Oui, mais à l'époque aussi, l'école n'était pas gratuite. Donc, c'est pour ça qu'on n'augmente pas les bourses. Non, c'est pas une raison. Mais je veux dire, ça atténue aussi la question. Après, quand vous dites à l'époque, c'était pas il y a 40 ans. C'est dans quelle année? Je pense qu'il y a au moins 20 ans, Brice. Oui. Il y a au moins 20 ans. Oui. Voilà. Ça veut dire quoi? Non, mais bon, ton temps et le temps de maintenant, ce n'est pas la même chose. Le temps n'est plus le temps qui est. Voilà. Exactement. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je crois que le gouvernement a voulu mettre un peu d'ordre au niveau de ce. Dans ce milieu-là. Et puis surtout, ça va pousser beaucoup de jeunes à ouvrir des comptes bancaires. Voilà. Oui, parce qu'on n'est pas très éduqués, justement. Au voilà, niveau bancarisation, c'est trop bas en Côte d'Ivoire. Il y a de nombreuses personnes que je connais qui gardent l'argent encore chez elle à la maison, dans des. Tout dans le les... Ce matin, il y a quelqu'un qui me demandait par WhatsApp, je veux ouvrir un compte, c'est pour mon travail, je dois ouvrir un compte courant ou un compte d'épargne. Bon, il a dit, bon, comme c'est pour le travail, c'est mieux que tu prennes un compte courant. Parce que l'épargne, c'est pas sûr que tu puisses recevoir un virement dessus. Voilà. Ouais, mais... Même s'il y a des banques qui l'acceptent. Oui, mais surtout que c'est surtout pour expliquer aux gens. Hein. Les gens ont besoin de savoir qu'un compte d'épargne, tu ne peux pas justement, et un compte courant, ça t'aide pour pouvoir gérer, ou un compte d'entreprise, parce que après, c'est important. Mais bon, après, j'évoque également le point des bourses pour dire que c'est bien qu'on ait gardé le système des bourses. Moi, à un moment donné, je me disais que ça n'existait plus. Ouais, c'est bien qu'ils aient gardé. Non, ça a toujours existé, même. C'est une façon d'encourager également les mérite. Le mérite, effectivement. Bon, malheureusement, on n'a pas le nombre de bénéficiaires là. Une information importante. Je pense que cette information, on peut l'avoir sur le site de la DOB, Direction des observatoires et des bourses, en fait. Très bien, voilà. On aura l'occasion. Je vous commets à cette tâche et demain, vous allez nous dire. Oui, bien merci sûr. Merci d'avoir. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on revient derrière. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le début, bien merci d'être fidèles. Merci de regarder les programmes de Live TV. Réna, on a sur nos pages des réseaux sociaux des réactions, quelques réactions. Oui, quelques réactions, dont Sidney Silla, qui est tout à fait d'accord avec Daouda hein, sur la question de la fessie. Il dit que son voisin avait refusé de donner la part de la fessie. De toute façon, ils l'ont frappé, ça l'a encouragé lui-même à donner la part. Donc, on dirait que c'était quand même une réalité. Quoi. Il y a pas mal de personnes qui sont d'accord avec ce qu'il dit. Et puis, on dit concernant les rackets boursiers, le racket des boursiers par les organisations estudiantines, Sa Majesté Daouda dit vrai. Daouda, si nous avions douté un temps soit peu, on tient parce que vraiment vous avez vraiment excuser. Non, c'est même pas toi, je sens que c'est Brice qui a douté. Non, mais bon. C'est que je me suis dit que ça devait être trop gros quand même. Pour après, dire. Je crois qu'il y a un richaud entre Alain et quelqu'un. Donc, la personne dit, Alain, je suis fâché contre toi. Le monsieur de hier, là, tu l'as attaqué, pourquoi? Non, tu ne l'as pas attaqué, pourquoi? Ah, là, on lui a reproché de n'avoir pas attaqué le musée d'hier. Mais on n'attaque pas les gens sur ce plateau. On pose des questions, on a envie de comprendre. Le musée qui est venu de l'Ivoirois, l'auteur,
Non, on a débattu. Mais non, justement, il t'a reproché de ne l'avoir pas attaqué. Ah ouais? Mais nous, on n'attaque pas les gens. On n'attaque pas les gens. Ah, là, c'est pas un lion. Quand on invite les gens, c'est parce qu'on les aime bien. Ben voilà, on veut comprendre, on pose des questions. Ah ouais? Pour comprendre. Bizarre. C'est pas pour attaquer, bon sang. Il s'est trompé de chaîne, je pense. Ceux qui attaquent, vous les connaissez. Oui, c'est ça. Hein? Quand on les regarde, là, un certain jour de la semaine, ben voilà. Ils attaquent leurs invités. Les attaquants, vous les connaissez. Ouais. Dis, à propos d'attaquants. C'est grave. On va parler de foot. On va parler de foot. Mais avant de parler de foot, on a des images. Est-ce que vous avez emprunté le lagunaire aujourd'hui? Je l'ai emprunté hier. Hier? Oui. Non, hier, non. Quand je venais, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Oui. J'ai vu qu'au niveau de la gare lagunaire, au niveau de la Sotra, c'était fermé. Oui. Il y a la police municipale du plateau qui nous a demandé de se retourner, mais je n'avais pas assez d'informations. Mais voilà la raison. C'est après que j'ai su que... Ouais. Voilà. Voilà. Donc, risque d'érosion donc sur une partie de la chaussée. Donc, je vois pas mesure de sécurité. Donc, ils ont fermé la voie. Donc, demander aux personnes d'être très, très prudentes sur cette question-là. Comment ces choses-là arrivent? C'est l'eau. Oui. L'eau, elle est violente. C'est vrai qu'elle est, elle est, elle est, elle est lente, mais forcément, elle arrive à bout de plus grands rochers. L'érosion, là, on voit ça au niveau d'Abidjan ici, mais quand tu t'en vas sur la côtière, au niveau de Bassam, de Laou, de Jacquesville, tu te rends compte qu'il y a des maisons qui ont commencé à disparaître, en fait. Donc, l'eau est en train de prendre l'espace, en fait. Donc, je veux dire, il est vraiment primordial de prendre cette affaire-là à bras le corps, quoi. D'autant plus qu'Abidjan est entouré d'eau, majoritairement. Ah, voilà. Moi, je crois que les dispositions ont rapidement été prises par les services compétents. Donc, je crois que c'est le ministère de l'Entretien. La mairie même d'abord, le plateau, l'entretien routier. Voilà. Donc, rapidement pour que les choses... Après, c'est des choses qui arrivent. C'est surtout la réaction qu'on a lorsque ces choses arrivent. Ce n'était pas prévu. Donc, un plan, il est écrit que dans 5 ans, l'eau aura réussi à... Bon. Oui, elle est assez puissante. Voilà. D'autant plus que dans ce coin-là, il y a plein de bateaux qui passent. Il y a les sociétés de transport lagunaire. Donc, à chaque fois... Tu vois, c'est la lagune. Même si elle est calme, à chaque fois que les bateaux passent, les vagues vont venir frapper sur le bord, retourner. Arriver un moment, ça va créer de l'érosion, forcément. Très bien. Voilà. En tout cas, je crois que ça crée un peu d'exagérement donc, concernant la circulation, mais je crois que les dispositions sont en train d'être prises. La voie que j'aimais bien emprunter en plus. Vous n'avez jamais dit ça sur le plateau. La folie que c'est dégradé. Pourquoi vous venez faire une déclaration d'amour à la voix? Non, mais en fait, c'est la voix que j'aime utiliser parce que c'est une voie rapide pour prendre l'autoroute directement. C'est ça. Parce que quand tu fais passer par l'Indénié, en passant par sapeur-pompier, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Ça. Déjà qu'il y avait un bouchon, je crois que c'est ce qui passe devant le stade, là. Oui, il passe devant le stade. C'est ça. Déjà, il y a, en général, souvent sans grande raison, il y a toujours du resserrement, du ralentissement là-bas. C'est quand vous atteignez un peu la corniche que ça se desserre un peu. Non, mais au niveau du stade, il faut dire qu'il y a... Mais ça a été resserré un peu au niveau du stade. Voilà, dans le sens... et ça a été resserré au niveau du stade, mais en plus de ça, il y a les travaux du pont qui sont aussi en cours. Donc, du coup, ça resserre à gauche au niveau du stade et à droite au niveau du pont. Voilà. Très bien. Bon, on parlait un peu de football, on parlait de stade, donc je saisis le mot de la phrase, c'est le stade. Et bonne nouvelle pour les éléphants, dans le cadre de la préparation de la CHAN, nos éléphants ont réussi, Isabelle, à battre la Libye. Bon, je sais que vous n'aimez pas le foot, c'est fait exprès. En tout cas, on est content vu que la Côte d'Ivoire a gagné. Bon, la Libye. Franchement, la Libye. Bon, je ne savais pas qu'il y avait une équipe de foot de Libye en ce moment-là. Non, il y a l'équipe. Tu te rappelles très bien, la Libye a une équipe nationale. En son temps, paix à son âme, Muammar Kadhafi, son premier fils. Il était entraîneur. Ouais, il capitaine. Était en tout cas joueur. Je sais qu'il jouait dans l'équipe nationale. Il était joueur, il était capitaine, il était entraîneur. Voilà. Ils ont eu une équipe. Et moi, le plus important pour moi dans cette victoire, dès l'instant que le drapeau tricolore orange, blanc, vert peut flotter hors de la Côte d'Ivoire, n'importe où, je suis heureux. Même si c'est contre le Kuala Lumpur qu'on a gagné, c'est une victoire. Mais c'est bien, c'est très très bien donc, dans la préparation. Donc, le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations, donc, qui met en compétition les joueurs locaux donc, des championnats nationaux des différents pays. Et donc ça prouve que notre championnat... Bon, en tout cas, il y a des résultats, vu que c'est un joueur de la SEC Mimosa d'ailleurs, qui est inscrit. Je ne sais pas pourquoi je donne cette information-là. J'aurais pu m'en passer. Non, je sais que tu es de l'Africa, mais oui, c'est pas bien grave. C'est un éléphant qui a marqué. Non, mais un éléphant qui joue à l'Africa, formé par le Mimosif.com. Ah. Bravo à Roger Ognien qui forme les grands joueurs de ce pays-là. Pas comme une équipe qui va rester en 2-2 pendant longtemps. Peut-être qu'ils vont aller jouer le Cam Tchien Tchien.
Nous, à l'Africa, nous n'avons rien à répondre à ce genre de provocation. Nous travaillons dans la sérénité pour aller décrocher la Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on peut dire pour répondre à cela. Oui. Voilà, on pose la Malaisie, effectivement. Oui, c'est ça. Bon, et vu qu'on parle de foot, il faut quand même évoquer le cas Cristiano Ronaldo, Ryan Assi. Oui, Brice. Je sais que c'est le sujet. Ben oui, c'est l'équipe du genre, il n'y a plus de sport que pour les hommes, vous regardez le foot. Cristiano Ronaldo. Il a été présenté à un club. Oui, en Europe, mon travail est terminé, j'ai tout gagné, déclarait Cristiano Ronaldo, qui a été présenté au club saoudien d'Al Nassr. Ouais. Si je prononce bien. Très connu, on dirait. Oui, en fait, moi… Nasser, je dis Nasser. Non, Nasr. 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 Nasser. Oui, quand même. Je travaillais quand même quelques jours au Qatar. On a un immeuble habitant qui porte ce nom, d'ailleurs. Immeuble El Nasr. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il porte toujours le nom El Nasr. Non, Nasr. Nasr. El Nasr. Ah, ça se prononce El Nasr. Ça se lit El Nasr. Mais ça se, non, ça se prononce El Nasr, c'est ça. Ah, oui, d'accord. C'est Al Nasr, en l'occurrence. El Nasr. Entre... Comment Bon, alors c'est Nasser, Nasr, Nazo. En tout cas, il a été présenté à un club, voilà. Au Qatar. Je pense que ça va nous éviter tout ce. Le club du Qatar où il va jouer là, c'est ça. Mais bon, on en parle un peu. Non, mais c'est en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Voilà. Oui, en Arabie Saoudite. J'ai dit saoudien, je ne sais pas pourquoi je parlais du Qatar tout à l'heure. Mais je veux dire, c'est courant hein, que des grands noms du football finissent leur carrière dans les pays de l'Émirat. Parce que. Oui, ça paye bien. On a des Ivoiriens qui ont débuté également là-bas. On a eu dans les années 80 Koudou, un ancien joueur du stade d'Abidjan qui jouait dans l'équipe nationale, qui a fait carrière, en Arabie Saoudite. On a eu un certain Gaudi Martin qui jouait au Sporting Club des Gagnois, qui a également joué là-bas. Et puis on a même des Ivoiriens actuellement qui jouent dans ce pays-là. Donc c'est vraiment. Moi je sais que Djuma Saïd à un moment jouait. Djuma Saïd, oui. Exactement. Voilà. On a un très bon joueur au niveau de l'équipe nationale. Malheureusement, je ne connais pas son nom. Il s'éteint les cheveux généralement en jaune. C'est pas Kounan. Non, c'est pas Kounan. Oui. C'est Claude Kounan qui joue justement dans la même équipe que Cristiano. Que Cristiano. C'est spectaculaire parce que aujourd'hui, quand son transfert a été déjà annoncé dans l'équipe, je ne vais pas m'évertuer à prononcer le nom, dans cette équipe-là, déjà, le compte, pour ceux qui suivent un peu, le compte Instagram du club, a vraiment, les followers sont passés à plus de 1,3 million, très rapidement. La vente des maillots même de Cristiano, ça veut dire que l'homme… Les produits dérivés, tout ce qui… Franchement, il a beaucoup d'influence au niveau du sport. Et même aujourd'hui, il y a un… C'est le confrère de RMC qui en parlait. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, on ne peut pas vivre avec une femme si on n'est pas marié. Mais Cristiano Ronaldo a le droit de vivre avec sa femme, bien qu'ils ne soient pas mariés. On lui a permis cela. Oui, mais je suis Cristiano Ronaldo, lui, quand il y va, on est sûr que… Bon, en tout cas, moi, je peux être persuadé que c'est pas que pour l'amour du foot. Hein. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup d'argent derrière. 200 millions, on évoque… par an. Par an jusqu'en 2025. Oui, c'est clair, parce que même en termes de prestige, je ne sais pas en fait si ça bénéficie plus à Ronaldo qu'au club, parce que c'est clair que la venue de Ronaldo ce club… Vous bénéficiez, ben écoute, 200 millions. Non, financièrement, on est d'accord, mais je parle en termes de prestige, c'est-à-dire avec la carrière qu'il a eue, aujourd'hui, il arrive dans un club qui n'est pas forcément… Mais il dit qu'il a tout gagné en Europe. Le club. Mais, oui, mais bon, on n'a jamais fini d'avoir envie de gagner plus. Il sera aussi l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite qui va organiser la Coupe du Monde en 2030. Je pense que justement, c'est pour cette raison même qu'il est là-bas, en fait. Je pense qu'à ce stade de sa carrière, c'est bien d'aller dans un endroit où vraiment il est reconnu comme, pour pas faire de jeu de mots, comme le Messi, quoi. Donc, non, en fait, je pense que je vais m'appuyer sur les propos d'un ancien joueur, Rio Ferdinand, qui disait qu'en fait, lui, il est un peu choqué de voir les médias être choqués du fait qu'il soit allé en Arabie Saoudite. Parce qu'il y a d'autres joueurs européens, quand ils ont en fin de carrière, ils vont aux États-Unis, où nous, on sait que franchement, c'est pas… Thierry Henry a joué aux… Voilà, ils vont aux États-Unis pour finir leur carrière. On ne s'en plaint pas, mais bon, lui, il va en Arabie Saoudite. Bon, les gens, ça jase un peu partout. Arrivé à un moment, vu son âge, et lui-même, il lui dit, j'ai tout gagné en Europe. Effectivement, il a tout gagné, à part, bien évidemment, la Coupe du Monde que son ami et alter ego Messi a remporté. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a à prouver encore dans le foot? Moi, franchement, je lui dis, à un moment donné, 200 millions, ben, franchement, ça fait courir beaucoup de personnes, hein. Ouais. Puis moi, je suis quand même content pour lui. Je suis un de ses fans.
Et j'ai remarqué qu'il avait une fin de carrière en Europe extrêmement difficile avec Manchester, même au sein de la sélection portugaise. Il n'a pas eu la place qu'il méritait et je pense que c'est aussi pour lui une manière de se refaire, pas seulement financièrement, mais moralement. Mmh. S'il peut être dans un pays où on reconnaît aussi sa dimension, sa valeur, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. L'Ivoirien qui joue à Al-Nassr s'appelle Ghislain, son prénom c'est Ghislain Koun. Ghislain Koun, c'est ça. Bravo. Mais bon, très bon, hein, très très bon. Ah oui, il est bon. Bon, après, ça, le bon côté, c'est que c'était les championnats qu'on commençait à... C'était les championnats par défaut, pour dire, quand on termine, on s'en va là-bas. Mais il commence à avoir de grands noms dans ces championnats-là. Donc ça commence à devenir... C'est comme le championnat chinois. Lorsque Didier Drogba est allé jouer là-bas, bon, il a été aussi parfois l'objet de ricaneries, enfin, ricanements ou des choses comme ça, enfin, de moqueries, je veux dire. Et finalement, aujourd'hui, le football se développe en Chine. Voilà. Et l'Arabie Saoudite, qui a des ambitions mondiales, entend bien aussi être un jour une terre de football. C'est une des raisons pour lesquelles ce pays souhaite organiser la Coupe du Monde, en fait. Mais puis on a vu l'exemple du Qatar. Donc, Oui, ouais, l'exemple du Qatar. Voilà, pas besoin d'être le Brésil pour accueillir des grandes stars, en fait. Oui. Oui. Ah oui, il y a également, à propos de Ronaldinho, je pense qu'à un moment donné aussi, a fait un tour en... Mais ils font tous un tour, même moi. Bien sûr. Hein, quand je prendrai ma retraite, eh bien. Tu iras où en Arabie Saoudite? J'irai présenter donc sur les plateaux télé en Arabie Saoudite. Vous ne soyez pas étonnés dans 25 ans en train de me voir sur un plateau en Arabie Saoudite ou au Qatar en train de présenter l'émission. On a des Africains qui font carrière, enfin, Africains subsahariens qui font carrière dans ces pays-là aussi, dans les médias. Oui. En Chine, au Japon. Oui, oui. On a des compatriotes africains qui sont très célèbres, des humoristes, des artistes. Ils sont vraiment populaires. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas de frontière tant qu'on est un artiste. Et Brice est un artiste, donc je pense qu'il aura juste besoin d'un traducteur pour ses vannes. Mais bon, généralement, ça peut fonctionner. Hervé Renard a bien marché là-bas. Bien écoute, il n'y a pas de raison, raison voilà, que je pas. Ne sois pas en train de dire « Rihanna, si !» Elle sait faire l'accent. Il y a quelqu'un qui dit « J'imagine la tête de CR7 quand ils vont le réveiller à 4 heures pour prier avant l'entraînement. » Les gens sont tordus. Mais justement, mais Daoud l'a dit, il lui passe quasiment tous ses caprices. Oui. Voilà, donc parce il n'aura aucune contrainte. Non, il n'a aucune contrainte, vraiment. Voilà, mais c'est, effectivement, ça va être coincé. Je sais que dans ces pays-là, par exemple, lorsqu'il y a Ramadan ou le mois de carême, c'est compliqué. On ne vend pas la nourriture en agglomération. Et puis dans la dynamique aussi, pardon, de la victoire de l'Arabie Saoudite, qui avait gagné son premier match à la Coupe du Monde. Donc je pense que tout cela aussi, c'est quand même dans une forme d'euphorie. Maintenant, ils ont gagné un match à la Coupe du Monde, ils font venir Ronaldo. Donc je pense qu'il y a quelque chose, une histoire qui est en train de s'écrire. En train de se créer, surtout dans les pays arabes, effectivement, qui manifestent de plus en plus d'engouement pour ce grands type événements sportifs, de championnats sportifs, qui sont très bien pour le tourisme, quand on sait que ce sont des pays qui brassent beaucoup, beaucoup d'argent. Ils rachètent des clubs, oui. Ça, c'est oublié de dire. En Europe, justement. PSG, oui. Il y a une option, justement, sur le contrat de CR7. Au cas où, je ne sais pas si Abou va nous aider avec le nom, le troisième club anglais, au cas où il passe en Champions League, on le prête là-bas pour qu'il aille jouer la Champions League. C'est tout. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne sois pas étonné qu'un jour, peut-être, de nous retrouver sur un bouquet de l'Émile. Avec une option d'achat. De prêt. Ouais, c'est tout. C'est clair, c'est clair. Même mon patron, il sera d'accord pour me prêter. Tu as pensé que ta tenue d'hier ? Pardon ? Tu as pensé que ta tenue d'hier ? Ça oui, quand oui, même. Oui. Et là, vous allez me rappeler que le wax est au long. Ses amis. Il a dit, mais comment ça? Au cours de cette émission, nous aurons l'occasion tout à l'heure de recevoir donc, le député maire de Ouagayo, M. Anthony Garou. Avec lui, il sera question évidemment de son action à Ouagayo, de sa participation, parce qu'il est membre du PPACI, donc du regard sur l'actualité politique. Il sera avec nous à partir de 20h, il sera notre invité. Mais avant, d'autres sujets d'actualité seront débattus au cours de cette émission. Ne bougez pas, on marque une courte pause avec la permission d'Eliane Lago qui réalise ce numéro du Grand Talk.
de retour sur le plateau du Grand Talk. Rihanna, quelques réactions sur nos pages des réseaux sociaux où nos internautes sont très actifs. Ah, ils sont super actifs, pour franchement, dire. J'ai des commentaires hallucinants. Déjà, on demande le titre donc, du prochain film, parce que hier, c'est vrai qu'on a... Rihanna a évoqué le film du braquage en avion. Voilà. Même Fast and Furious 9 ne l'a pas encore fait. Alors, on a beaucoup de commentaires. On dit « Brice va tuer là-bas », donc chez les Arabes. Là-bas. Yallah, Brice va tuer. Et puis, alors on dit « Dites à Daouda que le président de ce club a démenti l'information ». Je ne sais pas. Tu en disputais quelque chose. Bon, en tout cas, pour l'article que j'ai lu, c'est que il devait aller dans, comment on appelle ça, en cas d'option. En cas voilà. D'option. Mm-hmm. Donc voilà, et plein d'autres commentaires. Hein, merci, oui, merci, vraiment assez du fond du cœur. Merci de réagir comme ça. Donc, Grand Actu s'intéresse à une promesse tenue, celle du président Ouattara, Et concernant les fonctionnaires, les agents de l'État. Mais vous êtes en route. C'est vrai que c'était dit. Oui, il avait annoncé depuis le 6 août, pendant qu'il révalorisait le salaire des fonctionnaires, des retraités du privé, du public et autres. Il a promis que cette fois-ci, ils allaient avoir en janvier, dès la première semaine de janvier, une prime spéciale de 3,33% de leur salaire indiciaire. La prime dite. La prime qu'on appelle, les fonctionnaires appellent aujourd'hui la prime ado. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Où certains voulaient aussi faire couper la route, finalement. Ah oui? Ben, on a reçu les syndicalistes ici à ce propos. Voilà. Ils donc finalement, la route, ils ont demandé le regard d'un certain nombre d'éléments voilà, qu'ils ont souhaité gros, quand même. Voilà, c'était pas couper la route. Et du coup, je pense que l'annonce a été faite depuis ces jours-ci où les fonctionnaires vont commencer à recevoir leur argent. Je pense que c'est plus de 23 milliards qui seront décaissés en fait pour qu'ils puissent avoir cet argent-là. Parce que, les fonctionnaires sont... comme tu le disais, depuis le 31, le boss n'est pas méchant. Le boss n'est pas méchant. Voilà. Là, franchement, il n'y a pas... Là, on a les boss, là, c'est les agents de l'État. Et il y a eu... On a vu le communiqué, Isabelle, qui était bien signé par... Moi, j'ai envie de dire, un homme ne vaut que par sa parole. Et au fil des années, en fait, le président Alassane Ouattara ne fait que confirmer que c'est un homme de parole et d'actes forts. Là, il tient ses engagements. Lors de son adresse le 31 décembre à la Nation, il a donné en fait les axes. Il a clairement dit que ça sera renforcé donc, au niveau de la jeunesse. Donc la jeunesse va pouvoir bénéficier d'aménagements assez légers. Donc c'est le cas avec les bourses. Aujourd'hui, au-delà même des fonctionnaires, on a le SMIG qui est revalorisé. Etc. etc. Moi, je suis vraiment très contente et je pense que la majorité des populations ivoiriennes aussi le sont et on ne fait que dire merci. Voilà. C'est le cas de le dire. Ça tombe très bien parce que c'est vrai que je vais parler au nom des populations encore. C'est vrai que les populations ont vécu une période assez compliquée avec tout ce contexte d'inflation, etc. Donc les fonctionnaires aujourd'hui se voient assez soulagés. Et puis j'ai envie de dire que tout travail mérite quand même une certaine petite reconnaissance. J'ai pas envie de dire salaire. Donc, parce que c'est au-delà du salaire. Donc, de savoir aujourd'hui que ce sont des familles qui, pour ce mois de janvier, vont pouvoir quand même être assez à l'aise, c'est très positif. Et puis, on dit merci au président de la République qui entend quand même quelques fois... Mais en fait, fois, si, pour enchérir ce qu'elle dit, c'est qu'au-delà de tout, ça vient pour renforcer le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Mmh. Parce que quand on le veut, on n'est même pas encore sorti de la crise. Mmh. On est toujours dedans. La crise de la vie chère, ça existe toujours. Les denrées alimentaires, ça augmente à gauche. Je pense qu'ils essaient de plafonner, de subventionner et donner de l'argent. Quand on sait que après la fête du 24, celui du 31, généralement, en Côte d'Ivoire, on dit après la fête, c'est la défaite. Donc, je pense que cette prime qu'ils appellent la prime ado, forcément, ça va les soulager pour ce mois de janvier, en fait. Non, en fait, en janvier, il n'y aura plus la janvieuse, en fait. Voilà, je pense que la janvieuse va... C'est bien. La question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que l'augmentation des salaires ne va pas créer, en fait, un effet boomerang sur la majorité, en fait, des produits, des denrées alimentaires? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, les salaires sont revalorisés, est-ce qu'il ne va pas avoir une hausse encore des prix sur les marchés? Moi c'est la question que je me pose. Je pense que la révalorisation vient être une solution. Vient être une solution à l'augmentation. Est-ce que finalement, parce que... ça ne va pas encore engendrer autre chose? Parce que je pense qu'on a reçu le docteur Ba, qui est la présidente du CNLVC. Secrétaire général du CNLVC. Elle l'a dit. Exécutive. Donc, du coup, je pense très bien que les produits qui ont été
qui ont été plafonnés ne peuvent pas être déplafonnés actuellement. Là, quand on sait que la crise d'inflation que nous vivons actuellement, elle n'est pas, comment on appelle ça, endogène, elle est exogène. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui vit cela, c'est le monde entier qui le vit. Mais je pense que, comme tu l'as dit, le président Alassane Ouattara ne vaut que par sa parole. Donc, il a dit qu'il va faire en sorte de soutenir le pouvoir d'achat des Ivoiriens et de le renforcer. Bon, je pense que c'est ce qu'il va faire. Si quelqu'un s'amuse aujourd'hui à augmenter le prix, franchement, ça n'aurait servi à rien d'augmenter le salaire des gens. C'est comme si tu donnais de la main droite et puis tu récupérais de la main gauche. Oui, et puis ceux qui seront impactés savent se plaindre. Donc si jamais on se retrouve dans cet effet boomerang-là, il y aura forcément des réactions qui vont rééquilibrer la mise. Donc c'est ce qui est intéressant avec ce genre d'économie assez libre, c'est que oui, on a fait un petit geste, mais derrière, si des choses montent trop, on aura une France populaire qui va essayer de se réaffirmer. Et puis, avant ça, il faut que le gouvernement veille. Hein, le gouvernement veille, donc du coup... Je ne pense pas que ce soit une mesure de compensation en attendant. Je ne pense pas, mais bon, après, de toute façon, on a le temps pour voir. Pour l'instant, oui, profitons. Même, non, mais quand même, moi, le 31 décembre, j'ai acheté un poulet à 6 000 francs. C'est-à-dire, c'est le double du prix. Plus que le double. Hein. Voilà, c'est le double du prix. Non, d'habitude, c'est 3 000 francs. Poulet braisé, c'est 3 000 francs. Ah, le poulet braisé, c'est 3 000 francs. Moi, je pensais au poulet normal. C'est... Mais le 31 décembre, il est passé quasiment à 6 000 francs CFA. Moi, j'ai acheté un poulet vivant à 6 000. Mais ça ne fait pas... Le poulet ne fait pas partie, en tout cas, des denrées primaires, parce que c'est le bœuf, en fait. Il y en avait 7, ça. Vous avez fait la liste. Oui, j'ai fait la liste maintenant. Mais je veux dire, il faudrait quand même élargir cette liste-là, en fait, de denrées primaires que le gouvernement a pu répertorier. Parce que moi, la question... Le poulet, c'est ce qu'on... De... Oui, il faut mettre le poulet dedans. Mais en fait, l'idée, c'est que moi, je vais dire... Déjà qu'on a, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de terres. On a des terres arabes. Donc, je vais dire, c'est le lieu, en fait, pour la jeunesse aussi, de se lancer dans l'élevage de poulets. Parce que, que tu le veuilles ou non, en termes de viande et autres, de volailles et autres, vraiment, tout, la majorité même là, ça vient d'ailleurs. Donc, on peut comprendre. Quand tu sais qu'aujourd'hui... On a de plus en plus de business qui se lancent comme ça. Voilà. Il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent. C'est de les encourager à se mettre beaucoup dedans pour que chacun puisse... Non, mais puis les gens, ils profitent toujours des occasions. En fait, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas qu'on confonde. On sait que dans les périodes de fête, le privé est toujours en train d'essayer de doubler les prix. Moi, j'ai acheté un poulet vivant à 6 000. Hein. Alors, vous achetez un poulet vivant à 6 000, un poulet braisé à 6 000. Il faut voir donc vous achetez en fait, nous deux, finalement, qui a été grugé. Celui-là, il a le poulet. Non, c'est vous qui avez le poulet. Sans les plumes. En fait, quand j'ai acheté, je me suis demandé, est-ce que je peux appeler le numéro vert? Et je me suis rendu compte que ça ne faisait pas partie, en fait, des denrées alimentaires. Tu as acheté ça avec les vendeurs qui font le poulet braisé. Oui, c'est ça. Mais tu ne peux pas te plaindre à l'État, je pense. Et moi, j'ai acheté non, un poulet. Non, mais ça fait même pas partie. Non, mais moi, j'ai acheté un poulet à Assini. J'ai acheté un poulet à 10 000. Ben, mais parce... ça, c'est à Assini. Mais justement, c'est ce que je veux dire. Oui. Donc... Même à Bassam, non, en fait, ce que je veux dire, même si ça faisait partie de la liste, tu n'aurais pas pu te plaindre, en fait. Et parce que lui, il aurait pu se plaindre. Parce que du coup, c'est un poulet. C'est pas le poulet cuisiné. Parce que toi, t'as acheté avec tout le service derrière. Ah, voilà. C'est ça, oui, Et ça dépend de où tu es parti acheter ton poulet. Oui, parce qu'il y avait d'autres endroits qui vendaient le poulet à 3 000. Et justement, allez, vous êtes allé vérifier que le poulet venait au journal. Le président a augmenté tout le monde. Bon, c'est sympa. Je peux être. Et le poulet, vous l'avez acheté à. Ouais, je sais pas, écoute, est-ce que le 31, t'as mangé du poulet d'abord? 2400. Du poulet, est-ce que j'ai mangé du poulet? Oui, le 31. Oui, du poulet. Et tu l'as acheté à combien? Je pense 2400, 2500, 2600. Un truc vivant ou préparé? En tout cas, il était dans mon assiette, il était dans mon assiette, il bougeait pas. Mais bah, tu le stéthoscope, je peux essayer de vérifier. Parce que le cœur du poulet va, il va toujours. Il va nous montrer son fournisseur de poulet. Parce que moi, non, mais elle a dit poulet braisé, Karen a trouvé la parade. Ouais. C'est le poulet avec tout ce qu'il y avait comme service, comme accompagnement, la sauce tomate. Par contre, Dada, lui, il s'est fait avoir. Non, pour dire vrai, moi, je ne mange pas les poulets qu'on fait de façon industrielle. Vous mangez du poulet africain. C'est du poulet qu'on appelle le poulet bicyclette. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu plus mais cher. Mais je crois que ça coûte cher, oui, naturellement, le poulet qui bicyclette, ça coûte cher, généralement. Le poulet qui a couru, il coûte un peu plus cher. Il fait pas de braquage, lui, au moins. Donc, en gros, c'est... J'adore.
Non, je ne pense pas qu'il braque. Mais quand même, je pense que les prix, quand même, on nous braque avec les prix quand même. Parce que les prix qu'on nous donne, ce n'est pas des prix à débattre, mais c'est des prix à combattre. Voilà. Franchement, vous êtes prêts ce soir. Moi, j'ai une interrogation quand même. Qui paye la note? Qui paye la note? Oui. On finance tout ça comment? Ces efforts, c'est bien, je le salue, mais comment est-ce qu'on finance ça? Je crois qu'on est un pays en croissance, c'est ça? Pas des hausses d'impôts, de taxes, etc. Donc, il faudra peut-être qu'on on revienne là-dessus. Non, mais c'est pas bête de soulever la question. Les mesures prises par le gouvernement, en fait, pour pouvoir accompagner ces mesures-là, parce que ce financement coûte au budget de l'État. Donc, où est-ce qu'on prend l'argent? Voilà, je crois qu'on va. Très bien, ça va être le sujet de notre. C'est ça, les prochains jours, on va se pencher là-dessus. Donc, on va poser les questions. Et on espère avoir les réponses aux questions. Alors là, on se coupe comme ça. On a vu passer que le président togolais, Fonia Singbe, sera en route pour Abidjan. Déjà, on sait qu'il a rencontré cet après-midi les autorités du Mali. Ce matin, il était à Bamako. À Bamako, rencontré donc les autorités maliennes. Si c'est avéré donc, qu'il arrive à Abidjan, qu'a-t-il dans ses valises? Quelles nouvelles apporte-t-il aux autorités ivoiriennes? Rappelons que le président togolais est le médiateur donc, dans la crise donc, des 46. Et donc on espère qu'à la suite d'un entretien, qu'on croise les doigts pour qu'une bonne nouvelle soit apportée donc, au président de la République de Côte d'Ivoire à propos donc, de la situation de nos frères donc, détenus au Mali. Sinon, aujourd'hui aussi, le point de presse du Conseil des ministres par la suite, le gouvernement, en tout cas, s'est plus ou moins prononcé sur l'affaire de nos 49 soldats. Donc, ils ont tout simplement dit qu'ils prenaient acte, mais qu'ils ne commentaient pas de décision de justice, à la fois ce qui se passe en Côte d'Ivoire et non plus à l'étranger. Donc, voilà. Très bien. Bon, vu que vous parlez d'étrangers, vous parlez de la sous-région, ben on va s'adresser au Burkina Faso, où l'ambassadeur de France, lui, est indésirable. Le Burkina Faso a affirmé ne plus avoir confiance en l'ambassadeur de France, Luc Allad, donc a réclamé donc, depuis une quinzaine de jours donc, aux autorités françaises son remplacement. C'est une information donc, de l'agence d'information du Burkina, l'AIB. Est-ce qu'on peut parler de crise de confiance? Oui, c'est forcément une crise de confiance, puisque eux-mêmes, ils le disent. Ils disent dans leur communiqué que ce n'est pas pour rompre la coopération avec la France, mais... Ils n'ont pas de problème avec la France, c'est lui là. C'est lui qu'on a un problème, donc on souhaite que vous le remplacez, c'est tout. Je pense que c'est ce qu'ils ont, les Burkinabés ont dit. Mais sûrement, je me dis que, après, est-ce que la crise n'est pas plus profonde que ça? Voilà. C'est les questions qui se posent. Non, vu qu'il ne demande que son remplacement. Oui, de base. Ça doit être un problème personnel, alors. C'est ça, je pense que c'est un souhait qui est tout à fait légitime. Quand même, quand on parle d'un ambassadeur, c'est le représentant d'un pays au sein de notre pays. Donc la moindre des choses, c'est qu'on puisse établir un lien de confiance avec cette personne qui incarne donc, les valeurs de notre pays. Donc c'est très bien qu'ils précisent comme ça qu'ils n'ont pas de problème particulier avec la collaboration française et burkinabé, mais ils demandent à ce qu'on change. Et je crois que ce n'est pas la première fois qu'ils appellent à cela. Je pense qu'il y avait déjà eu quelques préoccupations qui avaient été soulevées concernant l'ambassadeur français. Et donc, moi, je trouve que c'est une demande qui est légitime et qui est bien posée, en tout cas. Et ce n'est pas la première fois. Hein. Je sais que c'est déjà arrivé hein, que des pays demandent donc l'emplacement de l'ambassadeur. Tu n'es pas d'accord, tu lui dis qu'ils ont le change. Si l'ambassadeur qui est accrédité dans le pays n'a pas une attitude courtoise, amicale, le pays peut demander son rappel. Et pour cet ambassadeur français, il est accusé d'abord, depuis le mois de juillet, d'avoir tenu un certain nombre de propos inamicaux vis-à-vis du gouvernement du Burkina Faso. Et plus récemment, le 12 décembre dernier, il a diffusé des messages à l'attention de la communauté française, messages dans lesquels il parlait de menaces, de risques d'attentats, et demandait que les ressortissants français puissent plutôt se regrouper du côté de Ouaga et de Bobo-Dioulasso. Ce sont quand même des démarches, en fait, une démarche plutôt très grave, parce que quand on a ce type d'information, la première démarche à faire, c'est de partager l'information avec les autorités du pays dans lequel vous êtes. On a déjà parlé ici de l'Afrique du Sud et des États-Unis par rapport à un attentat qui se préparait à Sandton, dans la banlieue de Johannesburg. On a parlé aussi du Nigeria à Abuja. Et chaque fois, cela sème quand même la panique et la terreur. Et donc, les autorités burkinabées ont demandé. Mais
cet ambassadeur était déjà un peu dans le viseur du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères français, parce qu'on le trouve inefficace et pas assez porteur du message de la France. Donc, il était aussi sur le départ. Donc, je pense que c'est un peu l'occasion qui fait le larron et ils vont profiter de cette crise-là pour mais après, aussi, à propos de la diffusion de messages, moi, c'est vrai que c'est d'usage hein, que l'ambassade diffuse comme ça des messages à ses ressortissants pour leur demander une grande prudence et d'éviter un certain nombre de zones. Donc, je veux dire, est-ce que ça ne doit pas, ça doit pas changer pour dire que si vous estimez que les Français, bon, en général, enfin, avant ça se disait, parce que souvent c'était les personnes expatriées qui étaient prises pour cible dans les attentats, dans les enlèvements. On se rappelle bien que être européen dans certains pays, bien, ça attirait le regard des terroristes. Mais là, aujourd'hui, les terroristes en prennent à tout le monde. Donc, du coup, je crois que c'est important de partager des informations. Oui, c'est important. Si vous avez des alertes, donc… vous informez. Comme ça a été fait en Côte d'Ivoire, à un moment donné, on se rappelle qu'il y a eu l'alerte qui avait été donnée pour toute la zone nord, donc à un moment donné. Voilà. Maintenant, ce que je veux aussi dire ici, c'est que ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, quand on dit que 40% du territoire est contrôlé par des forces djihadistes, c'est quand même une menace pour nous, parce que la population, il y a eu plusieurs… centaines de morts déjà, 1 million de déplacés, et ces personnes vont vers où ? La destination souvent… – il y a des déplacés internes. – Mais bien sûr, déjà. Oui, mais déplacés, mais aussi des réfugiés, donc des personnes qui viennent ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles on estime que la réponse au terrorisme est une réponse globale. Voilà. Vous voyez aujourd'hui le Mali, et on est heureux de voir que les pays se rapprochent, c'est bien, parce que finalement, s'ils réussissent à les vaincre là-bas, forcément, ce serait un bon résultat pour nous. Voilà. L'information qui a accompagné le départ de l'ambassadeur de France, j'ai lu dans un quotidien français, généralement bien informé, qui annonce que les soldats français, ils sont 400, donc des unités de forces spéciales qui étaient au Burkina Faso, vont quitter le territoire burkinabé et certainement venir en Côte d'Ivoire, et peut-être à Korogo, Yamoussoukro ou Bouaké. Moi, je dis que ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que d'abord, Yamoussoukro, c'est une ville de la paix. Il y a une basilique qui a été consacrée. Elle peut être une garnison même d'une armée étrangère, même pour lutter contre le terrorisme. Donc, je pense que c'est un sujet très sensible et important. Il ne faut pas aussi que, par ce type de décision, on attire le viseur sur la Côte d'Ivoire. Mais je sais, mais je veux dire, ce serait pas nouveau. Je pense que pendant la crise qu'on a connue, la zone tampon, la fameuse zone tampon, était contrôlée donc par l'armée française, qui était basée à Yamoussoukro. Oui, mais ça, c'était à la suite d'accords entre gouvernements. Mais c'était plus à Tibissou, je crois. Oui, c'est ça, à Tibissou, et sous la supervision… De l'ONU. De l'ONU. Ouais. Or là, il s'agit de forces qui étaient basées dans un autre pays, d'où elles doivent quitter, en tout cas d'où elles doivent partir. Logiquement, elles devaient retourner en France. N'est pas venu. Ici, on a déjà le BIMA, donc les forces françaises qui y sont. Et je pense que ça, c'est un problème important parce qu'il ne faut pas que cela mette en danger la sécurité, enfin, en danger la sécurité de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un sujet important. Yamoussoukro, c'est une capitale, et c'est la première d'ailleurs de la Côte d'Ivoire indépendante, choisie par Oufouette. Donc, c'est une ville symbole. On ne peut pas aller stationner là-bas des forces étrangères. Ben, c'est un sujet important. Bon, et puis encore que ces forces-là ne pourraient pas s'installer sans l'accord de nos autorités. Donc, on espère, bien sûr. Et que le Parlement sera également consulté, parce que ça relève quand même de la défense nationale. Il y a le gouvernement, mais il y a aussi le Parlement, le Sénat et l'Assemblée qui doivent être saisis de ces questions-là. C'est vrai que on parle, et ça nous permet de penser à nos frères et sœurs du Burkina Faso. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, sortir de Ouaga pour aller à Dori ou à Kaya, c'est quasiment impossible. Mmh. Même à Bobo-Dioulasso, vous vous imaginez qu'il y a la deuxième capitale, donc la capitale économique. Mmh. Je pense que c'est toujours très compliqué. C'est risqué aujourd'hui. Et ça, c'est une situation, on n'en parle pas suffisamment, mais le Burkina Faso, vous avez dit près de 40% du territoire. Mmh. Aujourd'hui, difficile à l'État, c'est bien dommage. Hein. Et c'est pour ça que les propos de son Excellence Luc Allende ont été décriés, parce qu'il a carrément qualifié la situation sécuritaire du Burkina Faso comme étant une situation de guerre civile. Donc ce sont des mots qui sont quand même assez forts. Et il l'a dit tout en minimisant en fait les efforts des forces de défense et de sécurité nationales. Donc bon, je veux dire, il faut vraiment prendre cette situation-là avec des pincettes. Mais le mot qu'il a prononcé de guerre civile, finalement,
révèle peut-être la vraie nature de ce type de conflit qu'on appelle l'insécurité due au djihadisme, parce qu'on a connu juste après les indépendances les rébellions internes, parce qu'il y a des gens qui voulaient prendre le pouvoir par la force, etc. Il y a eu des coups d'État, etc. Et puis aujourd'hui, on a subitement des djihadistes qui viennent, qui sont dans le sud des territoires, qui ne font aucune revendication idéologique, hein, qui n'ont pas de message, même qui parlent de Dieu, qui assassinent des paysans, des villageois, qui s'en prennent aux autorités, aux étrangers, aux nationaux. Qui annexent des territoires. Voilà, qui annexent des territoires. C'est effectivement une forme de guerre civile, même si je ne rejoins pas son terme, mais pour dire qu'eux seuls savent la nature du combat mené par ces gens-là. Et il faut une réponse globale des pays de la CEDEAO pour vraiment extirper de nos pays respectifs ces gens, parce que c'est une vraie menace pour la survie de nos pays. Parce que demain, on aura certainement des décisions de l'ONU pour dire, bon, écoutez, envoyez telle troupe dans tel pays, etc. Et on reviendra comme à la coloniale, où on aura des états de fait, mais en réalité, qui seront sous le contrôle d'armées étrangères. Donc c'est une vraie menace à laquelle nous devons répondre le plus rapidement possible et avec beaucoup de vigueur. Très bien. Justement, toujours à propos de Burkina Faso, il y a également la situation des volontaires, parce que pour répondre à cette situation-là vécue difficilement par les populations, il y avait un appel donc pour recruter des volontaires. Les volontaires ont plus ou moins répondu à l'appel. C'est vrai qu'on a évoqué hein, récemment, je disais quelque part, qu'il y avait des exactions qui avaient été donc évoquées donc à propos de cette situation-là. Mais aujourd'hui, vous constatez que les gens essaient de se défendre comme ils peuvent. C'est important. C'est important. Et moi, je pense que c'est une bonne décision du gouvernement du Burkina Faso. Quand le pays est menacé dans son intégrité, dans sa survie, quand les populations sont livrées à des bandes de bandits, de voyous, qui se cachent derrière Allah ou je ne sais qui d'autre, il faut que ceux qui sont encore en mesure de mener le combat se mobilisent. Et c'est la responsabilité d'un gouvernement de mobiliser la jeunesse, les aînés, pour aller défendre la mère patrie. Voilà, c'est très important parce qu'on a des populations qui souvent sont à 5 heures, 6 heures de la capitale et qui parfois ne sont pas sous la protection des forces de sécurité. C'est le cas de la plupart de nos pays ici, notamment dans la sous-région. Alors il faut se mobiliser. Mais le débat justement de fond sur cette question-là, souvent, mm-hmm. c'est ces forces-là, ces personnes qu'on recrute, après, il y a des éléments incontrôlés. Est-ce qu'on contrôle toujours ces éléments qu'on recrute comme ça un tout Moi, petit je peu préfère oui. dénoncer la violence des djihadistes plutôt que les dérapages de peut-être quelques machins. Parce qu'en plus, c'est les comptes rendus. En fait, ça, c'est les comptes rendus faits par des médias occidentaux. Forcément, on dénoncera. Attends, les gens luttent contre le terrorisme, mais vous allez dire oui, il y a tel village qui a été attaqué et ce serait le fait de jeunes recrues de l'armée. Mais depuis des années, des gens tuent. Sans que l'on s'en soucie. Maintenant que le gouvernement prend ses responsabilités, on ne va pas encore faire le tri. Non, mais surtout la vraie question, c'est quel regard on porte sur le recrutement de ces personnes-là pour dire on veut bien se défendre, on ne regarde pas, dit-on en Afrique, on ne regarde pas l'eau avec laquelle on éteint un feu. L'incendie, oui. Mais l'incendie, mais après, malheureusement, quand on finit de régler un certain nombre de problèmes, il faut peut-être regarder de plus près comment on recrute ces personnes. Est-ce qu'après, on n'est pas en train de former une armée qui va être incontrôlable quand on finit de vaincre le terrorisme. C'est des gens qui sont armés, c'est des gens aujourd'hui qui sont habitués peut-être à des combats, oui. on ne sait pas. Peut-être. Mais Brice, vous savez, ce sont toujours les mêmes donneurs de leçons là qui oublient eux-mêmes leur propre histoire. Mais en 14-18, quand la France a été attaquée, elle était en guerre en 39-45, il y a eu des volontaires libres de la France, ils ont appelé France libre, etc., où ils ont fait appel à ceux qui étaient en mesure de combattre. Et donc, ce qui a été une réponse il y a 60 ans, ou près d'un siècle, peut aussi, ou même plus, peut être une réponse également chez nous. On a vu également, j'en parle parce oui. que… Mais en Ukraine, tiens, oui. Oui, en Ukraine, mais à côté, bon. Je pense en Afrique, il y a eu des situations où il y avait des groupes d'autodéfense en Centrafrique, qui se créaient. Et puis après, il y avait du mal à pouvoir contrôler. On est passé des groupes d'autodéfense, dans certains cas, à des milices. Après, c'était difficile à gérer. Voilà. Une chose est sûre, personne n'envie la situation dans laquelle se trouve le Burkina Faso. En tout cas, notre façon d'exprimer notre solidarité à tout le peuple du Burkina Faso qui fait face à une vraie menace, la menace terroriste. Et comme vous parlez de réponse globale, il ne faut pas regarder de très loin cette situation en imaginant que ce n'est que la case du voisin qui brûle. Exactement. Faut faire attention et surtout apporter notre soutien au peuple du Burkina Faso. Rena, quelques réactions sur nos pages des réseaux sociaux? Quelques réactions, oui. En tout cas, Alain, tu es un danger. Ça, je dis ça. Je te dis, les gens sont graves. Il y a des volontaires pour me défendre.
Alors, je lis également, pourquoi sommes-nous complexés dans nos relations avec la France? L'armée française devrait quitter la Côte d'Ivoire. Bon, enfin, des réactions, beaucoup de zèle. Oui, c'est ça. Beaucoup de zèle. À un moment donné, on va profiter pour marquer une courte pause. Et nous retrouver derrière pour la suite de notre rendez-vous. À tout de suite. Isabelle, j'avais promis de revenir à vous. Hein. Isabelle, vos voeux, vous êtes celle qu'on n'a pas entendue, mais je voulais rappeler à ceux qui nous rejoignent, qui suivent le Grand Talk hein, sur la FTV. Merci, hein, c'était le JT que présentait Sharon Camara. Prochaine escale JT, Daouda, c'est... Prochaine escale JT. 12h45. Merci Daouda, vous êtes un élève qui suit en classe. Oui. Jean-Marc Seca. C'est ça. Isabelle, vous êtes passée un peu par la case JT aussi, vous? Oui. Avant-hier, déjà, j'ai fait le JT au 12h45. Belle expérience. Ça fait quand même quelques années que je le fais. Hein, donc, mais ça va, vous ouais, kiffez, j'adore. Kiffez l'expérience. Mm. Après, est-ce qu'on a le droit de le dire que vous l'avez dans le sang, ce JT? En fait, c'est mon registre de base. C'est ça. Et vous l'avez dans le sang aussi. Oui, on parce peut que dire votre, ça. Votre maman a présenté le JT. On peut dire ça, on oui. On peut dire ça aussi. Voilà, c'est, comme moi, mon papa, il est roi. Donc, du coup, quand j'ai été roi, je me suis dit... Bah écoute, c'est une affaire de père en fils, et de mère en fille, de mère en fils, et de père en fille. Bon, après, je suis contente. Isabelle, vos voeux hein, pour 2023 Bah écoutez, je souhaite à tout le monde d'abord la santé, la réussite dans toutes les entreprises et que Dieu ait la main sur tout ce que nous allons œuvrer ensemble. Et surtout de continuer à regarder le Grand Talk. Oh, ça mérite quand même les deux. Bravo Isabelle, bravo Isabelle. Est-ce que, au nombre, et ça me permet d'évoluer sur la question, au nombre des résolutions qu'on prend en début d'année, je fais un tour de table, vous, qu'est-ce que vous avez inscrit en lettres d'or? Franchement, cette année 2023, aucune résolution. Merci. Et je pense que ça aussi, c'est une résolution. C'est merci. Ça. Daouda, à part la natation? Non, la natation, ce n'est pas une résolution. Moi, je suis assez sportif dans l'âme. Même dans l'âme, hein, pas physiquement. Même physiquement, parce que... Non, ce que je dis, j'explique. C'est vrai que j'ai un peu de ventre, mais si vous voyez le bras, j'ai assez de muscles sur le bras. Donc, j'ai un corps assez musclé. Ouais. Voilà, c'est pas comme d'autres. Voilà, donc, c'est ça, quoi. On se sent pas balle du perdu. Tout. Pas du tout. Parce que si c'est une affaire de muscles, on va se déshabiller sur ce plateau. C'est du muscle. Et puis, en gros, je vais dire... Ça ne sert à rien de prendre de grandes résolutions qu'après on ne va pas respecter. Il faut juste être juste, droit et bon en suivant les 10 commandements. C'est ça. Simple. Juste, droit et bon en suivant les 10 commandements. Rayana et vous, résolution? Mais non, je ne me suis pas assise comme ça pour me dire voici mes résolutions. Mais on va dire que j'ai regardé à ce qui n'a pas vraiment marché pour moi. Durant 2022, même si ça a été une superbe année. Vous avez essayé d'être meilleur dans... Voilà, je vais essayer d'être meilleur sur beaucoup de plans, que ce soit personnel ou travail, professionnel, tout. Quoi, voilà. C'est plus, voilà, essayer de s'améliorer continuellement. Alain ? Oui, consacrer un peu de temps aux autres. Ouais, c'est la résolution, ça. Oui, non, mais c'est vrai. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait dans nos sociétés quand même beaucoup de souffrance. J'ai des amis qui ont une ONG, qui elles sont parties, donc sont des dames, sur la côtière, là, du côté de Grand Laou, et faire de la distribution, et puis elles ont ramené des photos, des vidéos. Et il y a une scène qui m'a vraiment marqué, c'était celle de la distribution de glace à des enfants. Il y avait des centaines d'enfants alignés pour tenter d'avoir une glace. Et c'était extraordinaire, parce que pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois de manger une glace. C'est dingue. Et puis après, j'ai vu d'autres vidéos d'une école de fortune dans un campement qui s'appelle Petit Bouna, parce qu'il est principalement constitué par des populations venues de Bandoukou, d'autres, voilà. Et là-bas, ces enfants-là sont dans des conditions de travail vraiment difficiles. Un seul instituteur pour 4 niveaux de classe, etc. Donc, en 2023, je vais essayer de faire quelque chose quand même pour ceux qui sont dans une situation de fragilité. C'est vrai qu'avec le temps, je te découvre, Alain, et j'apprécie vraiment cette belle âme charitable que,
que tu as, et généreuse. C'est important. Donc j'aurais à vous solliciter. Avec plaisir. Votre plaisir, image ou vos images au service de cette cause-là. Moi, j'adore tout ce qui concerne les enfants. Oui, j'ai la chance de travailler pour un cercle de réflexion. Et on travaille en partenariat avec une association qui œuvre beaucoup pour les enfants, le leadership des enfants. On fait des ateliers vision board, des trucs comme ça. Mais c'est trop beau de parler à des enfants et de voir en fait tout ce qu'ils ont en eux. C'est de l'innocence. C'est incroyable. Tout à fait. En tout cas, ils ont besoin d'être aidés parce que le problème de ces enfants, notamment qui sont dans des campements, les parents n'ont pas les moyens, donc ne peuvent pas les scolariser. Donc ce sont autant d'avenir comme ça qui sont mis entre guillemets ou en parenthèse. Et je pense que pour notre pays même, c'est bien que la génération qui vient soit éduquée, qu'elle puisse avoir accès aux études. Il y a beaucoup de cas comme ça, de déscolarisation. Voilà, c'est simple, il y a eu le cas de trois jeunes filles qui ont été déscolarisées parce que justement leurs parents sont décédés et leur tuteur n'avait plus les moyens. C'était 115 000 francs pour toute l'année pour les trois, les trois enfants. Quand on sait ce qu'on fait souvent avec 115 000 francs, même un peu de fête, ça change la vie de certains. Bon, les amis, d'ailleurs, on parle résolution, on parle de vœux, exceptionnellement, hein, je crois qu'avec la permission de la régie, on va permettre à deux ou trois de nos téléspectateurs hein, de nous appeler au numéro de téléphone qui va s'afficher le temps qu'on fasse un petit tour de table. Parce que on mais tu ne veux pas t'asseoir, Brice ? Mais d'accord. Non, parce que vous avez parlé, personne ne m'a demandé, moi, mes résolutions. Tu t'asseyes, déjà, tu es le roi, tu t'assois. C'est ça, et puis ensuite, tu nous donnes les nouvelles. Voilà, parce que quand le roi arrive, déjà, les autres sont assis, le roi parle. Donc, en tant que roi, mes résolutions pour cette année, eh bien, c'est beaucoup plus d'amour. Beaucoup plus d'amour. L'amour fait tout. L'amour fait tout. Pas la cuisinière, hein. L'amour, qui réalise tout. C'est important. D'ailleurs, vous ne faut oublier mes résolutions. Allez-y. L'amour, oui. L'amour qui fait tout. Rien à arrêter. L'amour qui fait tout. Et Isabelle l'a dit, hein, c'est le fait de ne pas prendre de résolution qui nous aide justement à être meilleurs. Voilà, donc pas de résolution, parce qu'en fait, les résolutions souvent n'engagent que ceux qui y croient. Et pas beaucoup y croient. Donc ça n'engage que peu. Et voilà, donc voilà. Si vous avez des résolutions, ben, passez plutôt aux actes. Sortez que des grandes résolutions. Cette année, c'est l'année où je vais. Non, allons-y sur les actes, faisons les choses. Et au terme des résolutions, j'ai décidé, et je voulais me mettre debout pour l'annoncer, parce que j'ai décidé quand même ça il y a quelques jours, et je voulais l'annoncer directement. C'est un challenge pour M. Fabrice Saouignon. J'ai décidé de le défier au tennis, parce que c'est un grand... Mais tu vas te faire ratatiner. Ah, c'est pour ça qu'on parle quand même à son roi. Non, mais moi, je t'assure, je regarde des stories de personnes qui le défient. Et à chaque fois, il refait des stories où il vient de ratatiner les gens. Ils sont en sueur et tout ça, c'est incroyable. Bon. Donc, okay. Franchement, c'était pas bien de lancer ça en direct comme ça. Non. Bon, bah, donc je crois que je vais me rasseoir sagement et abandonner le challenge. Bon, le numéro, c'est pas encore affiché, donc il va s'afficher, je vous promets. Voilà, allez, ça y est, c'est bon, il s'affiche. Mais en attendant, on a des commentaires voilà, qui sont lisez-nous quelques commentaires. Alors, il y a quelqu'un qui a vu Élisée sur ce plateau. Donc, là, je crois que le débat chauffait et il a dit « Élisée, vas-y, réplique, s'il te plaît !» Et puis, on en a un autre qui a dit « Sérieux, Isabelle ressemble à mon ex Isabelle. J'ai pas dit que c'était elle, mais elles sont toutes belles. » Ah, wow. Il y a de la rime dans l'histoire. Oui, donc quand on parle d'amour, pas dit que c'était elle. Et on pense à André Bois qui en fait un coucou, qui se repose. Oui. Pauvre, il est convalescent, donc on lui dit meilleure santé. Et à Pascal aussi. Pascal. Oui. À Kevin aussi. À Kevin, oui, bien sûr, oui. Kevin. C'est lui. J'ai une place spéciale pour Kevin dans ma notabilité. Ouh, il est monté là comme ça, de la hiérarchie villageoise. J'ai vu des photos de lui sur Insta, là, à l'instant. Et il vous fait le beau, là. Il serait temps qu'il revienne travailler. Hein. C'est pas grave, il a le droit. Lui, personnellement, il bénéficie de l'immunité royale. Il peut se balader, il viendra juste s'asseoir à côté du roi, parce que c'est un fidèle lieutenant. Notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 54 98 50. Ben, on va prendre un téléspectateur parce que c'est important. On l'a dit, cette chaîne-là, nous sommes très très proches de nos téléspectateurs. On profite d'une occasion, et ça faut le dire clairement, on profite d'une occasion parce que notre invité
initialement prévu pour ce rendez-vous, qui est le député maire de Roi-Gaillot, Anthony Garou, n'a pas pu être avec nous. Après, sur les raisons de son absence jusqu'à 19h encore, nous étions en contact avec lui. Déjà, on avait je veux dire quoi, il n'a pas pu être là. Oui, bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui, on le regrette parce que ici nous donnons la parole aux acteurs politiques, mais surtout à ceux qui aujourd'hui sont sur le terrain, les élus locaux. Et la semaine dernière, nous avons reçu le président Philippe Lien de Boukani, qui nous a parlé du travail qu'il fait, extraordinaire d'ailleurs, qui contribue à réduire la pauvreté. Il travaille vraiment avec les populations. Et pour nous, c'était important d'entendre aussi un élu local, notamment du Gor, Oragayo, qui est le village natal du président Gbagbo. Et il est membre du PPACI. Et donc, on donne la parole quand même à tous les partis politiques, à tous les responsables de partis politiques. Et on regrette qu'il ne soit pas avec nous, voilà, alors qu'il avait donné sa parole. Pour être honnête avec vous, on n'a pas compris les raisons de son absence. On n'a pas compris. Bon, entre-temps, il y a Marius qui nous appelle de Grand Laou. Bon, bonsoir Marius, comment ça va? Allô? Bonsoir Marius, comment allez-vous? Non, c'est pas Marius, c'est Marin. Marin? Marin, M-A-R-I-N. Très bien. Il appelle de Grand Laou. Vous nous appelez de Grand Laou, Marin? Alors, on en parlait tout à l'heure. Oui, je vous appelle de Grand Laou. Et vous appelez Marin, très bien. Non, c'est pas Marius, c'est Marin. Oui, on a bien dit, oui, Marin, de Grand Laou, oui, c'est ça. Voilà, vous voyez, effectivement, je suis le grand tuc. Très bien. Votre souhait pour la Côte d'Ivoire en 2023, un vœu? Oui, voilà, effectivement, j'ai suivi l'intervention de M. Alain. Oui, mais faut pas écouter ce que vous écoutez à la télé. Donc coupez le son. Coupez le son, comme dit la coach. C'est ça. Bon, allez, on appelle Marin, donc Marin pourra nous rappeler. Voilà, je suis là. Ah, vous êtes là. Marin s'est accroché à la ligne. c'est le cas de le dire. Marin, on vous écoute. Votre vœu. Voilà, mes vœux les plus. Je souhaite à la Côte d'Ivoire une année de paix, une année de tranquillité. De la paix et de la tranquillité. Et je souhaite vraiment que, comme l'a dit M. Alain, on puisse vraiment aider nos enfants qui sont dans les difficultés. Parce qu'à Petit Bouna, que je connais, c'est vraiment difficile. Et ces gens d'action qui peuvent être menés arrangeraient ces enfants-là. Donc pour la Côte d'Ivoire, une année vraiment de prospérité et de santé, de paix pour tous. Très bien. Et surtout, beaucoup d'activités pour la jeunesse, pour qu'elle puisse vraiment être responsable. Très, très bien. Oui, parce que souvent, ce qu'on voit sur les réseaux, ça fait peur. je pense que c'est ce que vous voulez dire. Merci, Marin. Bonne année 2023 à vous. On va revenir sur ce point-là. Donc, concernant donc notre invité, bon, on a refermé la parenthèse. Vous évoquiez sur le plateau la question des enfants. Daouda, avant l'autre appel, rapidement, on se souvient qu'il y a eu cet établissement-là. Oui, Petit Bouaki, oui. Qui souffre des mêmes problématiques. Que Petit Bouaki. Voilà, Alain avait même dit qu'il fallait lever, on appelle ça, un appel aux dons pour aider l'école. Et bizarrement, comme si en fait c'était une prémonition, aujourd'hui je dormais, le monsieur m'a encore appelé pour me dire qu'ils ont fait des dons aux enfants dans ce village-là, où il n'y a qu'un seul instituteur dans le village pour tous ces élèves-là. Comme à Petit Bouna. Voilà, ils sont sous des hamacs, des tentes, ça n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On appelle le Koumassi. Bonsoir. Petit Koumassi ou... Koumassi. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment ça va? On appelle le Koumassi. Ah oui, on appelle le Koumassi. Donc du coup, je pense que c'est des initiatives à en fait, il faut encourager. À multiplier même. À multiplier, parce que la problématique aujourd'hui, moi je parlais de Petit Bouaké, Alain parlait d'une autre ville, de Petit Bouna, mais en fait, le problème il est partout en Côte d'Ivoire en fait. Et il faut que ça puisse changer. Je pense que ce soit les cadres, faut pas, à un moment donné, il ne faut pas attendre tout de l'État. Souvent, nous sommes des jeunes, on a un peu de moyens, on peut se mettre ensemble, se cotiser pour construire, ne serait-ce qu'une classe aujourd'hui, l'année prochaine, une deuxième classe, un peu. Il faut que chacun mette la main à la pâte
pour nos enfants. Parce qu'au-delà de tout, des gens l'ont fait pour nous. Il est de nous aussi notre devoir de le faire pour les autres. On est d'accord que c'est le rôle de l'État. Voilà. D'accord. Mais il ne faut pas attendre tout de l'État. Oui, parce que l'État, déjà, lui, pardon, il donne la possibilité à des enseignants d'aller sur le site. Donc, très souvent, quand il n'y a pas de locaux pour accueillir les enfants, on se contente d'une pièce qui devient à la fois le CP1, le CP2, le CM1, le CM2, enfin, quelque chose comme ça. Monsieur, un peu comme à Petit Bouna. Donc, il faut que les élus et les cadres se bougent. Monsieur Diallo nous appelle de Bordeaux, en France. Bonsoir, Monsieur Diallo. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diallo. Vous nous appelez de Bordeaux, en France ? Oui. Oui, oui, je vous appelle de Bordeaux, en France. Je suis malien, mais je suis votre talk tous les soirs. Et actuellement même, je suis tous les soirs après le travail et je suis très content. Et c'est gentil. Je salue toute votre équipe, à tout le monde. Très, très bien. En tout cas, votre souhait, je pense qu'il sera pour que la situation donc, entre la Côte d'Ivoire et le Mali se normalise complètement, je pense, j'imagine. Oui, bien sûr, le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Et on prie et on espère que la situation va débloquer les jours à venir pour que le militaire puisse rentrer chez eux tranquillement. Nous sommes tous des pays africains et cet incident malheureux ne devrait pas. C'est clair, c'est clair. Mais ne devrait pas aggraver le problème entre les deux pays. C'est cela, c'est cela. En tout cas, merci beaucoup, M. Diallo, hein, pour ces souhaits. Bonne année à vous, bonne année 2023 et merci d'être fidèle. Bonne année à vous aussi, bonne année à votre équipe. Merci beaucoup. Vous. Merci. Ça nous fait plaisir de voir une équipe aussi talentueuse comme ça, qui parle des choses dans votre pays. Même si je ne suis pas ivoirien, mais ça me touche beaucoup de suivre ça tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci. Bonne soirée sur place à Bordeaux. Ça fait plaisir de savoir qu'on est suivi jusqu'à Bordeaux. Oui, avec Internet. L'accent parisien, Bordeaux. Bonne soirée à Bordeaux. Mais non, parce que j'ai été longtemps supporter des Girondins. Et Bordeaux, j'aime bien. Très, très belle ville, hein, Bordeaux. Ouais. Vous connaissez Bordeaux ? Oui. Très bien. Daouda, Bordeaux, vous connaissez ? Je connais New York. Daouda, vous connaissez Bordeaux ? Je connais New York. Non, après, je vais vous demander. Alain, vous connaissez bien Bordeaux. Hein. Oui. Bordeaux pour son vin. J'ai eu l'occasion de faire quelques mois à Bordeaux. Je peux vous dire que c'est magnifique comme ville. Voilà. On a un autre téléspectateur. Monsieur Yaogi nous appelle le Yop City. Ouais, c'est Yop. C'est la capitale de Kuwait City. Bonsoir Guy, comment allez-vous ? Bonsoir monsieur. À Yopougon, comment ça se passe en ce moment ? Tout va bien Yopougon ? Visiblement, on a perdu Guy. Yopougon, il faut qu'on en parle un tout petit peu. On parlait de Bordeaux, mais on parle aussi de Yopougon. Moi, j'ai vécu à Yopougon. Yopougon, parce qu'en ce moment, par rapport aux élections, on l'a dit, hein, y a de grands regards sur Yopougon. Il y a des gros cadeaux. Exactement. Notamment au niveau du RAGP, on a Monsieur Big Togo. Au niveau du PPACI, on a le fils de l'ex-président Michel Gbagbo. Mais on a aussi au niveau du PDCI, Oufoui Dia, qui est de la commune. Donc, la bataille risque d'être assez rude au niveau de la belle commune, la commune de la joie de Yopougon. J'espère que ça va se passer dans la joie et se terminer aussi dans la joie. C'est ce que nous attendons tous deux. Aristide, voilà. Aristide nous appelle d'Adzopé. Bonsoir Aristide. Bonsoir monsieur. Comment ça va Aristide ? Comment ça va Adzopé ? Oui, ça va très bien. Adzopé, vous avez des vœux pour 2023 ? Oui, les vœux sont les vœux de santé. D'abord, de santé pour vous qui êtes sur le plateau. Merci, merci. De santé et puis encore, servez-nous de bonnes émissions parce que c'est avec beaucoup de joie et d'allégresse que nous suivons toujours ces émissions qui nous permettent de pouvoir connaître les actualités à travers le monde et aussi à travers notre pays, la Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous félicite pour votre travail. Merci. Beaucoup, beaucoup de doigts, comme on le dit. Amen.
Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée sur place à Zopé. Rihanna, vous avez un message qui vous a fait sourire. Alors, on a Sydney Silla qui apparemment a acheté du crédit pour appeler, mais il dit que depuis ça ne passe pas. Il dit que c'est son premier investissement de 2023 et que c'est déjà un échec. Mais la carte de ce numéro, tu vas l'appeler. Voilà, donc on va, faut laisser votre numéro, on vous appeler. Pour le premier investissement. Yaya nous appelle d'Abobo. Abobo sera construit l'un des plus grands centres universitaires de santé. Yaya, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va, Yaya? Oui, ça va très bien. Alors, vos voeux pour 2023, vous représentez Abobo ce soir. Oh, waouh, c'est quand même... mes voeux pour live TV, beaucoup de bonheur déjà. Ouais. Et puis beaucoup de prospérité pour cette nouvelle chaîne-là qui est nos parties. Et encore beaucoup de programmes pour like Love, je ne sais pas comment vous appelez. Le grand talk, oui. Ouais, le grand talk, voilà. Et je suis avec beaucoup d'attention, surtout avec M. Alain Tain, et à qui j'ai beaucoup de bonheur. Merci. À au fameux Daouda Koulibaly, le défendeur du RDR, des RHTP. Pourquoi vous pensez ça? Lui, souhaitons encore beaucoup de bonheur à lui aussi. Très bien. Merci. Merci. Voilà, et vraiment beaucoup de bonheur à la chaîne. Puis, merci. Et, très bon pas à vous. Merci Yaya. Merci pour Flavie, je précise quelque chose. Oui, mais forcément. J'aimerais dire à mon ami et frère, aussi voisin d'Abobo, oui, que je ne suis pas RHDP, je ne suis encarté dans aucun parti, mais je pense que nous sommes sur une chaîne de télévision où le débat est ouvert et il faut dire ce qu'on pense clairement. Voilà. Et souvent, quand on dit les choses, souvent ça peut ne pas aller dans votre sens, mais ça ne veut pas dire qu'on est de ce bord-là. On est quand même très rare. On nous a balancé dans tous les partis de Côte d'Ivoire. Les éléphants qui étaient là-bas. Tibius s'appelle Yam Sokro, justement. Allait oui, Toussaint nous parler. De Yam Sokro. Oui, oui. La belle cité de Yam Sokro. Oui, oui. J'appelle depuis Yam Sokro pour vous dire que vraiment, nous, souvent, depuis Yam Sokro. Et vous, en tout cas, souhaiter nos voeux les meilleurs à toute votre équipe. Qu'est-ce que vous souhaitez voir changer à Yam Sokro, Tiburs? Oh, vraiment, je souhaite qu'il y ait véritablement le déplacement de la capitale pas effectif à Yam Sokro. Parce que Yam Sokro, on a fait de route, mais il n'y a pas assez de véhicules. Tout le monde est concentré à Abidjan, pour le développement. Il y a la sauterelle à Yam Sokro maintenant. J'ai vu les bus. Tout à fait. J'y étais il y a quelques jours, il y a des bus. Voilà, depuis quelques bien. Jours. Très bien. Je voudrais également saluer M. Alain Toussaint. Je ne le connais pas, mais moi, j'aime sa sérénité, la manière dont il traite les bus sur le plateau. Très bien, très bien, très bien. Il n'est pas si sérieux que ça, il faut le faire. merci beaucoup, Tiburs, à Yam Sokro. Merci également à vous. C'est vrai, à propos de Yam Sokro, on a parlé des routes, mais l'état aussi des routes, malheureusement, qui se dégrade hein, quand même. Non, je pense qu'ils ont travaillé sur la voie de Yam Sokro. Mais ce que le téléspectateur... Dans Yam Sokro? Oui, dans Yam Sokro, oui. Mm-hmm. Dans Yam Sokro, oui, je pense que dernièrement, même là, bientôt, ils doivent ouvrir l'autoroute même qui va jusqu'à Boaké. Voilà, ils ont bossé dessus. Mais il faut décentraliser l'administration et la capitale politique à Yam Sokro. D'accord. Et comme on parle de route, on va utiliser la côtière là, pour trouver l'ASM à San Pedro. Bon, bonsoir, l'ASM, comment ça va? Bonsoir, monsieur. Ça va? Très, très bien, l'ASM, ça va bien. Vous, par exemple, vos voeux pour 2023 concernant San Pedro, qu'est-ce que vous souhaitez voir changer à San Pedro? À San Pedro... Ah oui, bonsoir Brice. Oui, bonsoir. L'ASM, mais je crois que déjà, il faut déjà changer les lignes. Les lignes téléphoniques. Non, en fait, bon, la télé, je crois bien. La télé. Bon, il ne nous entend pas très très bien. Ah, je pense qu'il est vous nous entendez mieux, l'ASM? Oui, oui. Très bien. Donc, je suis en antenne ou bien je... Vous êtes en direct, mais la liaison n'est pas très très bonne. Vous allez peut-être essayer de nous rappeler, l'ASM. On ne vous entend pas très très bien. Merci. Dommage.
C'est dommage, on aurait bien voulu parler avec l'ASM qui nous appelle le San Pedro. Bon, on va peut-être un autre jour remettre l'exercice, mais on voulait un tout petit peu donner aussi la parole à nos téléspectateurs à la faveur d'une défection, parce qu'on va le dire, d'un invité. Vous savez, c'est une émission de télévision, elle se prépare avec un invité, on a des questions, on a des thèmes à aborder. Et quand, à quelques minutes de l'émission, l'invité... pendant l'émission. Ou pendant l'émission, on apprend que l'invité ne viendra plus. Il faut faire preuve souvent de créativité. Et bon, on a choisi de saisir la balle au bon, comme ça, avec le prétexte de la nouvelle année. Bon, on vous dit merci et merci. C'est vrai qu'on aurait souhaité parler à toute la Côte d'Ivoire. On a même parlé à hors de Côte d'Ivoire, oui. À Bordeaux. À Bordeaux. Mais en fait, depuis le début de l'émission, il n'arrête pas de prendre l'accent à chaque fois du pays en question. Donc, c'est vrai, Arabie Saoudite, c'est ça. Là, on me signale dans l'oreillette, parce qu'on me parle dans l'oreillette, on m'a signalé que toute la semaine, comme ça, on aura une petite séquence comme ça avec nos téléspectateurs qui pourront nous appeler. Ah, génial. Voilà, c'est génial. On a hâte. C'est ça. Vous êtes très nombreux, très nombreux, comme votre confrère. Oui. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir sur les questions des vœux. Est-ce que vous souhaitez voir changer dans votre région, dans votre localité? Je crois que c'est le bon prétexte qu'on a trouvé. Tu as une petite invitation. C'est Cassie Armand qui dit « Brice, je t'invite à Somlan, le meilleur village de la Côte d'Ivoire dans le département d'Adiaké. » À Somlan. Donc tu es invité. Très bien. Ah bah non, on va tous partir avec toi. Ben c'est clair. C'est sûr. J'ai un minivan là, donc du coup je mettrai tout le monde dans pour Assomelan. Prenez soin de vous et des autres. On se donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Merci Daouda, merci Rihanna, merci Isabelle. Merci Brice. Merci Alain. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales. Merci à Eliane, merci à Maï. Merci, la liste est longue. Je vais compléter demain. À demain. Bye bye.